tout le monde sait que les standing orders, ça date. Il est évident qu'il faudra se mettre au travail. Il y a un standing orders committee, n'est-ce pas, Rajesh? Il y a un standing orders. Voilà, voilà, un standing orders committee. Et donc, ce standing orders committee doit se mettre à l'œuvre, parce que moi, je suis que le speaker. Je ne vais pas couper trancher toute seule. Moi, j'aime travailler en équipe. Et je pense que je vais pouvoir améliorer un peu. J'ai l'avantage d'être avocat. 50 ans maintenant depuis que j'ai prêté serment comme avocat. Et donc, j'espère qu'avec mes connaissances juridiques et aussi mon expérience parlementaire, 15 ans au Parlement, les gens ont peut-être un peu oublié, surtout les jeunes. J'ai commencé très, très tôt, hein. J'ai commencé en 76. Et aujourd'hui, j'ai 76 ans. Aussi longtemps que je pourrai, je vais pousser pour plus de démocratie, plus de respect. Alors, j'ai dit un motto. Rights, respect, responsibility. C'est facile, hein? 3 R. Rights, respect, responsibility. C'est ça qui compte pour moi.